Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! J'espère que les serpents cendres n'ont pas fait de mal à Rococo. Par Merlin, où suis-je? Revelio. Wingard, Leviosa. Confringo. Wingard, Leviosa. Confringo. Et voilà. Confringo. Revelio. Des pièces. Sonifleur a laissé des traces de son passage. Des serpents cendres. J'aurais rempli tout un site. Je devrais suivre les pièces pour retrouver. Tu ne peux pas tous nous pétrifier. Regarde un peu le ciel. Expulsion. Protégo. Arrête. C'est ton premier duel. Expulsion. Non, c'est personnel. Expulsion. C'était ici. Les chaussons. Regarde les chaussons. Expulsion. Confringo. Regarde la situation.
Patin power. Patin power. Ah ouais. Ça ne t'a pas suffi. Patin. Tu n'es pas à la hauteur. Trancher un dueliste pendant qu'il lance réduction. Ok, bon, ben, je vais essayer, attends. Trompé. Ah, je l'ai pas eu. Arrêtez de me faire chier. Rébellion. Comprendo. Flipendo. Rébellion. La porte est... Ah, il est l'autre côté. Ah, si je fais... Wingardium Leviosa. Ok, ça va marcher. Je devrais faire attention où je mets les pieds. Et c'est la première fois que ça m'arrive quelque chose comme ça. Rebellion. Wingardium Leviosa. Confringo. Revelio. Ces pièces ont dû être perdues par le nifleur de Miss Coffee. Personne ne m'aime, après Olar. Mais bon. Ok, ça marche pas. Rebellion.
Confringo. Je pensais que ça annulerait l'effet, mais... Définitivement pas. Réveillon. Ok, ça ouvre la porte ici que je me suis pas aperçu. Réveillon. Le feu qui est là-dessus. Okay. Et là, c'est une plume. Réveillon. Je suis mêlé. Je vais m'en sortir, mais je suis mêlé. Wingardium Leviosa. Confringo. Refuso. Bombarda. Revelio. Ok.
cru quelque chose. Wingardium Leviosa. Porte reste ouverte. Et le bloc est avec moi. Pourquoi il veut pas aller plus loin? Des chemins là. Ah non, tu bloques ça même. Action. Wingardium Leviosa. Ah ben tabac. Ah ok, ouais, je sais pas. Quelque chose que j'ai pas vu en haut de la porte, moi, là. Ah ben, oh, allez. J'ai pas vu le trou en tout, j'étais avec. Revelio. Mais... ça met 0 dans le processus d'avancée. Confringo. Ah, je l'ai eu. Voler le bloc, par exemple. J'aurais dû amener d'autres choses dessus. Revelio. Oh, il y en a d'autres. Excellent.
Oui, Nada, ben. Les armées, c'est quoi? C'est celui-là, je l'ai tué quelque part. Descendo. J'étais un ennemi aérien au sol avec. Oh, enfin, je le mettais à terre puis je le. Oh. Je m'aurais pas trempé de piton, je l'avais. Réveillon.
Revelio. C'est quelque chose que je vois pas. Supposé amener ça là-bas ici. Non, c'est pas ça. Revelio. Wingardium Leviosa. Celle-là marche. Wingardium Leviosa. Reparo. Lumos. Et un cube là. Wingardium Leviosa. En face, le prochain. Ça peut pas. Wingardium Leviosa. Ah, c'était un pied.
Revelio. Wingardium Leviosa. Destruction. Bombarda. C'est une sorte de carte au trésor. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Wingardium Leviosa. Maintenant que je suis là, autant capturer le Nifleur. Revelio. Voilà, le renifleur dans mon renifleur. Calme-toi. J'avais jamais réalisé à quel point c'était fatigant de poursuivre un renifleur. Revelio. Ah, c'est le début. C'était pas facile.
dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Mon pauvre Rococo. Miss Coffey, j'ai trouvé votre nifleur. Oh bon sang, vraiment? Oh, merci. Vous avez beaucoup de courage. Je ne savais plus quoi faire. Comment va mon cher Rococo? Puis-je le récupérer? Ça n'a pas été facile d'affronter des serpents cendres et de trouver un nifleur dans cette maison. Je mérite une récompense. Oh, bien sûr, vous avez fait tellement. Ce n'était pas rien. Je ferai tout pour mon précieux petit ange. Oh, mon intrépide petit explorateur, mon avide petit bonhomme. J'ai hâte de le ramener à la maison. Merci encore pour ce que vous avez fait. Désormais, je tiendrai Rococo en laisse dès que nous sortirons. Merci pour votre visite. Revelio. L'endroit semble être assez agréable. Allô, Mora. T'as oublié ce porte-là? Revelio. Eh ben, t'es pas ouvert, mais je l'ai déjà fait. Bug. On ne doit pas laisser les serpents cendres piétiner sans vergogne. Est-ce que tout va bien, madame... Olivier, madame Olivier. Et non, tout ne va pas bien. Ces vauriens de serpents cendres ont envahi les alentours du château de Salgat. En plus de troubler notre tranquillité, ils perturbent nos activités commerciales. Alors qu'ils semblaient enfin sur le point de s'en aller, voilà que Sylvanus Selwyn a débarqué. Sylvanus Selwyn? Le chef des vauriens. M'est avis que si quelqu'un se débarrassait de Selwyn, les autres serpents cendres finiraient par partir. Mais Selwyn est un sorcier doué. Je ne suis pas en mesure de m'en occuper moi-même. Croyez-moi, j'aimerais en être capable. Je ne sais plus quoi faire. Sylvanus Selwyn?
Je pensais que Victor Rockwood était à la tête des Serpents Cendres. Selwyn est l'un des seconds de Rockwood. Il n'est pas aussi terrifiant que Théophilus Harlow, mais il n'en reste pas moins une menace. Où est le château de Salgat? Le château de Salgat se trouve près de la côte sud. Prenez la direction du sud-ouest. Pourquoi les Serpents Cendres sont-ils si dangereux? Ce ne sont pas de simples escrocs, ni de simples brigands, qui eux-mêmes sont déjà bien nuisibles. Ils n'arrêtent pas de tourmenter la pauvre Bella Navarro. Elle leur a tout donné et pourtant, ils continuent de la menacer. Elle était prête à retourner chez sa famille en Italie. Elle a presque tout perdu. Rien ne les arrête. Je peux m'occuper de Selwyn pour vous. Juste ciel non, je ne demanderai jamais à un élève d'affronter Selwyn. Mais j'offrirai une jolie récompense à qui l'éliminera. N'hésitez pas à faire passer le mot. J'aimerais seulement que tout rentre dans l'ordre à Crabcroft. Si j'arrive jusqu'à lui, je devrais être en mesure de dissoudre l'ensemble du groupe. J'ai 4 bouteilles. Je me demande bien ce que Selwyn trouve à cet endroit. Il ne reste rien. Il y aura plus de chance. Je regarde la lueur de la vie quitter tes yeux. Répulso. Zéro pour l'effort. Ridicule. Répulso. M'attaque d'où, hein? Indiqué sur la carte au trésor. C'est bon pour Selwyn. Je devrais retourner voir Madame Olivier à Crabcroft au sujet de cette récompense. On dirait que... Revelio. Ah, l'affaire des cloches est là. Faut que je fasse ça après. Action! Compris, Stupendo!
attention. Bombarda. Revelio. Confringo. Nôtre. Leviosa. Tu vas mourir. C'est donc toi la vermine qui a libéré Treadwell. Confringo. Ce n'est pas le meilleur endroit pour arriver sans compagnie. Montre-toi. Je te vois. Cassius, Confringo. Confringo. Et c'est gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ok, non. Faut que je fais. On va dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça serait. Ça serait. Ça serait. 2, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 5, 9, 8, 6. Voici. La première, ce serait 2.
5. 7. Six, 5, 9, 8, 6. Ça a fonctionné. Je suis bon. Voilà le trésor. Rebellion. Rebellion. À l'avenir, ne vous en faites pas d'une jolie femme pour un... Confringo. Précioso. Bombarda. Wingardium Leviosa. Confringo. Fringo. Rebellion. Confringo. Confringo. Rebellion. Wingardium Leviosa. Action. Repulso. Descendo. Stipendo. Descendo. Action. Repulso. Descendo. Rebellion. À moins que je vois là, c'est ça. Calique. On me confie toujours les tâches ennuyeuses. Rebellion.
Ah, j'ai tout du monde déjà. C'est vite fait. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Avez-vous eu des informations à propos de Sylvain? Ça y est, je me suis occupé de Selwyn. Vous avez vaincu Selwyn? Par la barbe de Merlin, un élève a éliminé un des bras droits de Rockwood. J'imagine que la récompense vous revient. Vous la méritez amplement. C'est un plaisir d'avoir protégé Crackcroft des serpents cendres. Grâce à vous, ces voleurs nous laisseront enfin en paix. Nous accueillerons toujours avec plaisir. Stipendo, Stipendo, Stipendo. Stipendo. Il a l'air de faire sombre à l'intérieur. Ça ne va pas m'arrêter. Tu as réussi. J'imagine que tu as trouvé quelque chose à la bibliothèque. J'ai dû y passer des heures à déchiffrer des cartes illisibles. Mais je pense que c'est la grotte dont Doran nous a parlé. Impressionnant, surtout vu le peu d'informations qu'il nous a données. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit la grotte, mais c'est celle qui semblait la plus prometteuse. Je suis tombée sur une histoire à propos d'une grotte de la région que les gens évitent. C'est l'endroit parfait pour y cacher quelque chose de valeur. J'avoue que ce n'est qu'une supposition, mais cela paraît logique qu'une pierre de lune mystérieuse soit cachée dans une grotte tout aussi mystérieuse. À ce stade, toute piste est bonne à prendre. As-tu découvert pourquoi les gens évitent cette grotte ? Pour une raison ridicule. Une rumeur affirme qu'elle rend les gens fous. Je n'ai rencontré personne qui aurait été dans la grotte, cependant. Donc, soit il s'agit d'une rumeur, soit tous ceux qui y sont allés n'étaient pas en état d'en parler par la suite. Bon, maintenant qu'on est là, autant aller voir. Je suis d'accord. Je me demande si on perd la vue quand on regarde directement une pierre de lune. Réveillio. Tu ne crois pas que les rumeurs sur la grotte sont vraies, si ? Eh bien, on va pas tarder à le découvrir, n'est-ce pas ? Réveillio. Bombarda ! Réveillio. Ringo,
Confringo. Amener des papiers hein, là. Confringo. Lumos. 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 Réveillon. Revelio. Défossifère. Je te demande pardon. Ça doit être comme ça que la rumeur sur la grotte a commencé. On dit que la chanson du Fossifère rend fou tous ceux qui l'entendent. Action. Si la pierre de l'une et les Fossifères aussi. Ok. Pourquoi je ne suis pas surprise? D'abord les fossifères et maintenant ça? Bon, ça et ça. Tant et tant, ça, et ça. Nous devons trouver des papillons pour ce métier à tisser. J'ai compris. Non. Triangle. Ça. Les runes sur les murs. Lumos. Trouver les papillons. Action. Et sub ça. Lumos. Réception. Ok.
c'est beau, mais qu'est-ce que ça a ouvert tantôt? Action. Réveillon. Hein? Merci. Réveillon. Kevin, on va voir. Ça fait le tour puis ça revient parce que là. Un autre obstacle. Ce n'est pas grave. Je suis sûr qu'on trouvera un moyen de traverser. Bombardard. Réparons. Wingardium Leviosa. Action. Confringo. Revelio. Réparons. Confringo. Revelio. Thank you.
Revelio. 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 Action. Revelio. Revelio. Lumos. 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 Okay, c'est plus là. Ah, l'autre était là. Magnifique.
Lumos. Lumos. Rebellio. Il est dans l'eau. Lumos. Protego. Lumos. 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 Protego. Lumos. Lumos. De là qui va nos malois. Lumos. Oh. C'est ça que je voulais faire, de lancer là-dessus.
Je vais le lancer là-dessus pour aller le chercher après, il a été tout seul. Regarde, l'eau bouillonne, c'est étrange. On va jeter un œil. Tu l'as lu dans mes pensées. Elle bouillonne pas, elle tourbillonne. Je n'aurais jamais pensé être aussi heureuse d'en voir autant. Je ne sais pas. Je vous écoute depuis un moment maintenant et je commence à perdre la tête. Très drôle. Je me disais que c'était la preuve que les braconniers ne sont pas venus jusqu'ici. Si c'est bien là que se trouve la pierre de lune. Ce qui veut dire qu'on a un temps d'avance sur eux. Nous avons trouvé ce que nous cherchions. Il ne reste plus qu'à la rapporter au Cromlech. Bravo, Poppy. C'était bien la bonne grotte, finalement. C'est une bonne chose. Tout avantage sur les braconniers est bon à prendre si on veut trouver les vivets en premier. On devrait faire ce qu'a dit Doran et apporter la pierre de lune au Cromlech. On y va? Allons-y. Si on part maintenant, on devrait arriver à la tombée de la nuit. J'ai fouillé, puis je pense que j'ai tout trouvé ce qu'il y avait à trouver. Ça serait tourner en rang. Et j'ai pas envie de tourner en rang. C'est le Cromlech. Exactement là où Doran a dit qu'il serait. Maintenant qu'on y est, je ne sais pas trop ce que ça me fait. On savait qu'on allait dans la grotte pour la pierre de lune, mais Doran ne nous a pas dit ce qu'il arriverait quand on placerait la pierre dans le Cromlech. Quoi que ce soit, j'espère que c'est en rapport avec les vivets. D'ailleurs, il vaudrait mieux ne pas traîner. Descendons. On est presque au bout du chemin. Je pense que c'est par là. Comment va ta grand-mère, d'ailleurs ? Ma grand-mère est coriace. Elle a lancé un charme du cri du rue et a menacé de se faire un manteau avec la peau du prochain braconnier qui se présenterait à sa proie. Tellement coupable de les avoir menés jusque là-bas. Elle sera sûrement contente que tu sois partie à la recherche des vivets. Je l'espère. Je comprends à quel point il est important de protéger ceux qui en ont besoin. Je pense qu'on sait où mettre la pierre de lune. Thank you.
C'était la danse des veaux de lune. Tu sais à quel point il est rare d'y assister? Ça n'arrive qu'à la pleine lune. Mais je suppose que c'est la pierre de lune qui l'a déclenché cette fois. Ce motif qu'ils ont laissé par terre, est-ce normal? Ça fait partie de la danse. Mais le motif n'est jamais le même. On devrait dessiner celui-là pour pouvoir l'étudier. J'ai hâte de dire à ma grand-mère que j'ai vu la danse des veaux de lune deux fois. Elle va être jalouse. Tu avais déjà vu cette danse? La première fois, c'était un coup de chance. J'étais sur Aile Céleste et c'est pour ça que je l'ai vue. C'était la nuit... Eh bien, la nuit où j'ai rencontré Aile Céleste, je... Vous vous êtes rencontrés comment?